Hello, c'est Bart, tu te retrouves aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et test d'un casque Bluetooth avec en fait vous voyez la touche de coupe enfin de oui de résiliation enfin de coupure de bruit enfin atténuation de bruit du moins Active Noise Cancelling ANC, donc c'est ce que ça veut dire. Il s'agit donc d'un casque de chez Sritm. Bon, je ne sais pas comment ça se prononce parce que c'est un peu plus compliqué. J'avais déjà présenté le NC75 Pro et là c'est le NC25, modèle un peu plus abordable, on va dire, que leur premier, qui m'a vraiment surpris par la qualité de fabrication et la qualité du produit lui-même. Donc c'est vraiment un super produit. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Donc, atténuation de bruit, la grosse mode en ce moment. Donc, vous avez une touche dédiée. Quand vous mettez, en fait, le casque, vous n'entendez pas les bruits extérieurs. Donc c'est un truc à faire hyper attention aussi quand vous êtes à pied, quand vous marchez à pied, par rapport aux voitures électriques, par rapport au train, par rapport à des choses de ce type qui peuvent aussi vous causer quelques soucis, on va dire. Donc le casque est scellé. Donc d'ailleurs je remercie le fabricant pour la confiance. Et il y aura sans doute une vidéo donc de comparaison, on va dire, des deux casques, le NC75 Pro et le 25, voir un petit peu les différentes différences entre les deux. Alors, on peut lire derrière. Donc, il y a pas mal de renseignements. Donc, les dimensions des écouteurs, donc 40 mm, sensibilité 105, plus ou moins 3 décibels, l'impédance 32, la fréquence, donc vous avez même en fait l'activation des bruits extérieurs 18-23, Bluetooth 4.1, donc 10 mètres, de portée, donc une batterie de 360 mAh, et voilà, une autonomie entre 12 et 16 heures, ce qui est plutôt pas mal. Donc, le contenu de la boîte, on peut voir que donc il y a le casque, il y a un câble de rechargement, un câble audio, user manuel et l'adaptateur pour la charge. Donc voilà, vraiment assez complet au niveau des explications. Ah, ça c'est plutôt agréable, vous voyez, ils n'ont pas mis qu'il y avait la boîte, mais c'est comme le NC75 Pro, c'est ce que j'aime aussi pour cette marque. Voilà, donc on a un petit coffret ici de transport qui est assez, ça fait toujours plaisir, enfin qu'on transporte le casque et qu'il ne s'abîme pas, ça fait toujours plaisir franchement. Donc là on a le casque, on gardera après. Donc là au niveau des câbles. Voilà, c'est exactement le même contenu quasiment que l'autre. Donc là, on a un câble micro USB 2. Voilà, qui va nous permettre à recharger le casque. Un jack, si vous voulez écouter avec un fil air sans la batterie. Donc ça, si vous voulez partager votre, on va dire, votre écouteur avec un autre utilisateur. Un manuel d'utilisation pour manutentialiser le téléphone. Il vous explique un petit peu les boutons. Assez complet, anglais, italien, espagnol, français. Vous voyez, très complet. Donc
j'explique un petit peu au niveau de l'utilisation. Appuyer 3 secondes, voilà, pour l'appairage. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Annulation active de bruit. Connexion filaire. La composition vocale. Les caractéristiques techniques. Alors vous voyez la version 4.1. Il me semble que sur la boîte c'est noté 4.2. Donc il faudra se mettre d'accord. Non, 4.1. Donc c'est bien du 4.1. Donc c'est bien de la version 4.1. C'est moi qui ai déconné. Donc compatible AD2P, AVRCP, HSP, HFP, CVC. Voilà, vous avez vraiment toutes les caractéristiques avec le poids de 180 grammes. Bien détaillé. Et vous avez également une petite... petit fascicule pour la garantie. Et ainsi une indication sur les prix des... Vous voyez, donc le NC25, c'est vraiment... leur casque le plus abordable, qui est quand même assez complet hein, là-dessus, franchement. Alors, on arrive au casque lui-même. Ah ouais, super doux. Hein. Donc, matière en silicone doux, avec un liseré ici, imitation inox. C'est du plasticium. C'est pas de l'alu, c'est du plasticium. Donc c'est plutôt pas mal. La matière est assez agréable de toucher. Donc elle, voilà, gauche-droite. Donc là, ça tourne, ça pivote. Ça permet de transporter le casque également. Et au niveau de l'extension, vous avez ce qu'il faut. Les deux côtés. Donc voilà, ça vous procure aussi une idée sur la largeur du casque, ce qui est plutôt pas mal. Donc au niveau des coussinets, les coussinets sont très doux. Donc vous voyez avec ici, voilà, bien fait, bien, on a bien très très bien fini le casque, hein, franchement. Déjà, j'ai été surpris par le premier, alors celui-ci ne rejoue pas à la règle. Donc voilà, le bouton, donc ici, donc atténuation du bruit, avancée, arrière, et puis là, l'allumage, sans doute, ce qu'on va faire tout à l'heure. En haut, donc pareil, une petite mousse ici pour justement que ça soit doux au niveau de la tête, que ça vous fasse pas mal. Franchement, la finition, elle est très agréable. Donc là, des petites vis pour pouvoir, hop, transporter le casque assez facilement. Vous voyez, c'est assez compact. J'ai dû appuyer, vous voyez, c'est appuyé en vert. Voilà, ça clignote. Ça veut dire qu'il est prêt pour l'appairage. On va essayer. Tac. De l'appairer. Donc, hop, on va se mettre là. Là, voilà. Donc, Bluetooth. NC25, il est là. Appairage en cours. Autorisé. Appairé. Et le théorie joué. C'est le bruit actif, active connecté, activé connecté. Donc en fait, c'est la touche ici.
voilà, qui est activé. Donc en fait, ça allume en vert. C'est pour ça que c'était allumé. Donc, et là, vous voyez, donc ici, quand vous appuyez ici sur l'activation, voilà. Donc là, atténuation de bruit activée. Et là, c'est désactivé. On va essayer de mettre donc de la ZIC. Déjà ce que ça fait comme ça. Son stéréo. Oui. Très bon son. Franchement, 10 heures, 12 heures d'autonomie. Plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, si j'appuie ici, donc c'est le son, ça augmente, ça baisse, et là, ça fait pause. Donc vous voyez, volume plus ou moins, et là, ça fait pause. Voilà. Hop. Là, vous pouvez pas écouter comme ça, là, c'est impossible. Donc je vous conseille quand même de ne pas mettre à fond. Et là, vous activez le bruit, tout simplement. Je vais mettre sur la tête et puis je vais voir aussi ce que ça donne directement au niveau de la tête. Alors, vous voyez sur la face avant ce que ça donne au niveau de la tête, ce qui est plutôt pas mal. La prise au niveau du casque est très bonne. Vous voyez. Donc on a ici au niveau des touches l'accessibilité parfaite. Pas de souci là-dessus. Voilà. Très bon son. Et là, quand vous activez l'entube, vraiment très très bien. Alors tout est regroupé en fait sur la première ici au niveau de la droite avec le jack 3.5 ici et puis le port micro USB pour recharger complètement. Voilà, pour conclure, franchement, un très très beau casque, rien à dire là-dessus. Au niveau du son, c'est du très bon. Au niveau des définitions, c'est très exemplaire également. Voilà, l'autonomie est très bonne aussi. Donc franchement, 12 heures moyen, c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, après voilà, j'ai pas trop de défauts quoi là-dessus quoi. Donc voilà, il suffit d'appuyer ici, vous activez comment dire voilà, hein, donc l'atténuation du bruit, ce qui est plutôt pas mal. C'est un casque que je vous conseille franchement là-dessus. Soyez sûr que vous avez pour votre argent, tout simplement. Ouais, copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets également un lien d'achat en bas dans la description si ce casque vous intéresse. Moi, il me reste qu'à vous dire à très bientôt pour d'autres tests et je vous embrasse. Ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter.
Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. N'oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.